C'est par là. Par là. Tout en bas. Comme ça, là, par là. Je devrais être beaucoup plus concise. C'est par là. Tu te fais un petit plan, alors soit tu es de la vieille école et du coup tu regardes un plan ou tu demandes des indications aux gens dans la rue, soit tu as un téléphone avec un GPS, auquel cas tu. Mais tu peux y aller à pied là. En voiture. Ou en train. Je remonte le Lot là et hop, on est au Blévar. C'est là-bas. C'est. On a le périphérique. Et après, toujours tout droit, au sud, en passant par Clermont-Ferrand. On contourne Clermont-Ferrand, on continue tout droit, on tombe sur ici. Et voilà, ce sera là. En partant de Paris, c'est sud, il faut prendre Montpellier. Tu veux des spécificités, genre des numéros de route Et en partant de Lyon, il faut viser le Puy-en-Velay, Langogne, Mende, le Blémard. Et c'est un mot, si c'est aux alentours du 13, tu es censé le trouver. Après, Lyon, le Blémard, ça reste hyper optimiste. Mais tu peux avoir de la chance de gens qui viennent en même temps que toi au festival. Si ce gars-là, je le prends en covoiturage, je le dépose au festival, je lui montre la billetterie et il rentre. Voilà, et puis c'est tout. C'est hyper simple. On sort de la maison, on prend à gauche, on descend la petite rue, et puis après on refait un virage à gauche. Là il y a l'église, et derrière l'église il y a un parc où il y a des spectacles. Tu vas traverser un espèce de petit pont là, et comme ça sur le stade à ta gauche, tu verras les chapiteaux. Et sinon, ça peut être aussi dans un autre endroit, mais que je connais pas. Et de la bière qu'on sait pas comment qu'elle s'appelle, parce que c'est nous qu'on l'a fait cette année.